Eh bien, yo tout le monde les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, comme d'habitude, c'est sur GTA 5, donc c'est nouveau sur un tuning. Bon, je sais que je fais beaucoup de tuning en ce moment, mais en même temps, il y a beaucoup de DLC. Rockstar, ils nous mettent beaucoup de DLC en ce moment. Du coup, il y a vraiment beaucoup de véhicules. Alors là, je vous ai présenté tous les véhicules de la mise à jour. Je sais plus ce que c'était. Haute Finance, je crois, et Bass Besion, ouais. Donc là, on se retrouve pour le nouveau DLC, donc casse-cou jusqu'au bout. Bon, je vais vous présenter les courses plus tard, une fois que j'aurai présenté les véhicules. Bon, du coup, là, on se retrouve pour le premier véhicule, du coup, qui s'appelle la Grosti Prezio RVA. Donc, écoute, normalement, je sais plus trop combien. On va juste regarder. Écoute, ouais, 155 000, du coup, ça passe. Elle pourrait remplacer la Mini, hein, donc attendez, faut juste que je retrouve l'autre véhicule. Voilà, celle-là, la Benefactor Punto. Franchement, elle ressemble assez, mais elle est beaucoup plus stylée, je trouve, personnellement. Bon, ensuite, donc, on est là pour le tuning. Bon, vous voyez que j'ai déjà un peu tuné. Bon, je vais vous présenter ça, j'ai plus du tout d'argent. Donc, on va rentrer. Voilà. Bon, je vais vous montrer les trucs que j'ai fait. Et puis, les moteurs, tout ça, je les ai améliorés en off. Bon, après, je suis pas encore trop sûr si je vais avoir. C'est un véhicule que je vais enrouler. Donc, alors, voilà, donc, alors, le pare-choc, j'ai choisi celui-là, donc, parce qu'en fait, tout simplement, celui-là, je le trouvais un peu, quand on regarde de côté, un peu sec, et celui-là, il part un peu, après, on a celui-là qui fait vraiment tuning, mais de devant, je le trouve pas très beau, et lui, je trouve que c'est celui-là qui passe le mieux. Donc, pare-choc arrière, j'ai pris celui-là, évidemment, c'est le seul. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a, moteur, ouais, donc, moteur, ça, c'est le truc. Ah, il y a des promos. Intéressant. Alors capot, j'ai mis celui-là de base parce que celui-là je trouvais que ça faisait des trop gros trous. Lui je trouvais que c'était trop fin et lui il n'y avait rien, du coup voilà, du coup j'ai pris celui-là. Klaxon, j'ai pas encore choisi. Éclairage, j'ai pas l'argent pour prendre les kistons, donc je vais le faire plus tard. Bon, je vais prendre du vert comme d'habitude. Les pneus, je vais vous montrer juste après. Bon, j'ai choisi le Sprunk. Le rouge il fait aussi assez joli, mais bon, j'aime pas trop. Tout simplement parce qu'en fait il y a le logo atomique juste au-dessus au toit et ça j'aime pas trop. Du coup le Sprunk je le trouve assez beau, du coup je vais le garder en Sprunk tout simplement. La plaque, comme d'habitude, là je l'ai noire. La peinture, j'ai choisi du mat noir pour tout. Donc là, vous voyez, mat noir. Après, vous pouvez changer de couleur, genre blanche, elle aussi est un peu belle. Après, il y a aussi le vert éventuellement. Mais bon, je trouve que ça fait pas trop beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le toit. Donc, le toit, on a des aérations. Bon, alors là, j'ai pris ça. Bon, ce qui est très très discret, on va pas se mentir. Après, lui, est-ce qu'il sera. Bon, de toute façon, j'ai plus d'argent. On verra ça plus tard. Ensuite, l'aileron, j'ai pris. Il y avait celui-là. Donc, celui-là de base, je crois. Ensuite, il y avait celui-là. Et ensuite, il y avait celui-là. Bon, celui-là, je trouve vraiment stylé, personnellement. Suspension, j'ai mis au max. Transmission, turbo, fenêtre. Ben, limousine, comme d'hab. Ensuite, roue. Je vais vous montrer les types de roues que je vais mettre. Je vais mettre. Ouais, ceux-là, je pense. Et avec du vert, comme ça. Tout simplement. Voilà. Je vous le verrai encore certainement dans une prochaine vidéo. Donc je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'ai fait un rapide truc, je vais pas la faire en deux parties, juste en une seule. Donc voilà, bon, je vous montre pas vraiment la complète, mais vous verrez approximativement à quoi ça va ressembler dans le prochain tuning, donc qui sera certainement de la du véhicule à 500 000. Je vous montrerai encore vite fait l'autre pour ça, voilà. Donc les gars, moi je vous dis vraiment merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis n'hésitez pas à vous abonner et je vous peace.